la place de l'Afrique dans la chaîne des valeurs. Et donc, qu'est-ce que c'est que la chaîne de valeur? En fait, si on veut faire simple, on va dire que les chaînes de valeur ont été développées pour la première fois par Michael Porter, qui est un professeur à Harvard, dans un livre intitulé « L'avantage comparatif ». En fait, la chaîne de valeur peut être définie comme étant l'ensemble des activités qu'une entreprise réalise dans des lieux géographiques différents à travers le monde pour amener un produit ou un service du stade de la conception au stade de la production et de la distribution au consommateur final. En englobant la conception, la production, la commercialisation, la distribution, la vente au détail et jusqu'au même, dans un certain nombre de cas, la gestion et le recyclage des déchets. Donc en fait, quand vous parlez de toute la chaîne, c'est vraiment au-delà de ce que vous avez cité, le marketing, tout ce qui englobe de la conception à partir du produit, de la matière première au produit final livré au consommateur final. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on en parle plus et que certains se disent que la chaîne des valeurs pourrait apporter un plus à l'Afrique? En fait, il faut savoir aujourd'hui que la mondialisation a modifié les structures et les règles du commerce international. L'Afrique, bon, y en a quelques exemples, quelques pays qui sont déjà dans les chaînes de valeur, comme par exemple lorsqu'on fabrique des cockpits d'Airbus en Tunisie ou des réacteurs Safran au Maroc. Ça, on est en plein dans les chaînes de valeur mondiales. Mais la place de l'Afrique, pourquoi? Parce qu'en fait, ça accompagne l'industrialisation dont l'Afrique a besoin. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est convaincu que pour créer de l'emploi, l'Afrique a besoin de s'industrialiser. Mais le fait de s'insérer dans les chaînes de valeur mondiales accompagne le processus d'industrialisation. Donc là, on est au cœur de l'émergence. Si on veut vraiment émerger, il faut qu'on rentre dans les chaînes de valeur mondiales. Oui, mais vous ne trouvez pas que c'est un peu bizarre, un peu mal placé que ce soit chaque fois des gens qui disent à l'Afrique ce qu'elle devrait faire? C'est même pas en termes de leçon, hein, que le fait que l'Afrique se mette au cœur de la chaîne des valeurs, le discours vient d'ailleurs. Est-ce que c'est pas un peu biaisé pour des pays tels que le Nigeria aujourd'hui qui tire à peu près 44% de son PIB des services? Un pays comme l'Afrique du Sud aussi qui est quand même dans la chaîne des valeurs, ou dans une moindre mesure l'Angola ou la Libye avant qu'elle ne soit déstabilisée. Mais le discours n'est pas formalisé, n'est pas formaté par les Africains eux-mêmes. Or, on sait aujourd'hui qu'on n'est pas dans un jeu à somme nulle. Si l'Afrique prend des parts de marché, c'est une perte de parts de marché des pays occidentaux. Et donc, est-ce que nous sommes dans la vérité, Modou Ndiaye? Oui, bien sûr, parce qu'en fait, il faut savoir que déjà, ce n'est pas forcément une méthode importée. L'objectif, c'est que l'entreprise soit performante, soit compétitive, et que les États accompagnent nos entreprises en Afrique d'abord pour qu'elles deviennent beaucoup plus compétitives pour acquérir d'autres parts de marché. C'est ça le plus important. C'est ça, il faut mettre l'accent sur ça. L'idée d'ailleurs, c'est avoir une ouverture. Mais ouverture, ça veut dire avoir la possibilité d'avoir plus de capitaux, avoir la possibilité de créer beaucoup plus de richesses en Afrique, de créer de la valeur ajoutée et de l'emploi en Afrique. C'est ça l'objectif en fait des chaînes de valeur. Modou Ndiaye, je veux bien, mais il y a quand même des prérequis, il y a un préalable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la chaîne des valeurs, certains pays dépendent de matières premières et ces pays ne fabriquent pas ces matières premières. Aujourd'hui, hein, on ne peut pas se le cacher, l'Afrique est dans la chaîne des valeurs, l'apporteur de matières premières. Il ne peut même pas la transformer. Et c'est-à-dire que même si un pays comme la Côte d'Ivoire se mettait à produire du chocolat, ne pourrait pas l'exporter eu égard aux droits de douane prohibitifs. Un pays comme le Mali se mettrait à transformer son coton et à vouloir exporter du textile vers la France, vers l'Europe, il y aurait problème. Et donc, comment on fait avec tous ces handicaps-là pour que l'Afrique prenne sa place dans la chaîne des valeurs? Il faut savoir une chose. Au-delà de la volonté politique, l'émergence des pays asiatiques ont été accompagnées par la création de ce qu'on appelle des zones économiques et spéciales dans leur territoire. La Chine, le Singapour en tête, etc. Donc il faut que l'Afrique, si elle veut transformer ses matières premières, mette en place ces zones économiques et spéciales pour pouvoir développer une chaîne beaucoup plus complète et ne plus exporter les marchandises. Parce que lorsqu'on exporte les matières premières, finalement on exporte les emplois. Donc pour pouvoir créer beaucoup plus de richesses en Afrique, il est temps quand même de mettre en place ces structures qui vont permettre aux entreprises africaines de se développer. D'abord en Afrique, de permettre aux investisseurs africains de s'investir, mais aussi des investisseurs internationaux, mais dans un type qui
permettrait aux entreprises africaines de se développer et d'avoir une filière beaucoup, beaucoup plus complète. En fait, c'est ça le plus important. Mais vous avez pris l'exemple de l'Asie. Hein. Est-ce que l'Afrique ne devrait pas bientôt, l'Afrique va atteindre une population d'un milliard, c'est pas rien. Il n'y a pas très longtemps, la population mondiale faisait un milliard. Or, en Afrique, il y a toutes sortes de ressources, il y a tout. L'Afrique n'importe pas de ressources. L'Afrique importe des biens. Par contre, l'Afrique exporte les ressources pour le reste du monde, y compris des produits agricoles. Aujourd'hui, des gens viennent louer des terres en Afrique pour produire des denrées pour leur population. Avec bientôt un milliard de population, est-ce que l'Afrique ne devrait pas se recentrer sur elle-même, produire pour l'Afrique, mettre en place le principe d'avantage absolu, avantage comparatif, de sorte à ce que l'Afrique soit le client de l'Afrique? C'est une bonne chose, parce qu'Afrique, il faut savoir que l'Afrique, au niveau du commerce international, l'Afrique représente 3,5%. Le commerce intra-africain représente 15 à 12%, alors qu'en Europe, par exemple, c'est 70% et en Asie, plus de 50%. Donc, il est temps aujourd'hui qu'en Afrique, on arrive à développer quand même le secteur de l'agriculture, l'agro-business, l'agroalimentaire, pour pouvoir nourrir notre population. En fait, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prétendre être un grand continent si on n'est pas capable de se nourrir. Donc, il est temps, depuis qu'on parle de l'autosuffisance alimentaire en Afrique, moi je pense que c'est une occasion extraordinaire cette fois-ci de mettre en place les bases, de mettre en place tout ce qui est nécessaire en termes d'investissement, de productivité pour pouvoir nourrir les Africains. Moi je pense qu'il est temps que les politiques vont dans ce sens-là. Parce que tout ça c'est une volonté politique. Une volonté politique en fait qui doit se traduire par des projets, qui doit être définie par une vision claire et précise. C'est ça le plus important en fait. Et aujourd'hui, l'Afrique a les moyens de se nourrir, l'Afrique a les moyens de mettre en place les structures nécessaires. Donc Modou Ndiaye, vous nous avez parlé des solutions. Aujourd'hui, qu'est-ce qui existe comme frein au niveau de l'Afrique, au niveau des pays africains pour arriver à mettre en place ces solutions-là? Moi, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut une volonté politique. Parce que l'action gouvernementale consiste finalement à traduire sous forme de projet une vision politique clairement définie. Aujourd'hui, l'Afrique doit essayer de mettre en place un climat des affaires amélioré et aussi essayer de mettre en place aussi des structures qui vont permettre d'attirer des investisseurs de l'État, africains, mais aussi internationaux. L'Afrique a besoin de capital pour se financer, l'Afrique a besoin de capital pour créer de la valeur, l'Afrique a besoin de capital pour mettre en place des structures qui vont permettre aux jeunes de trouver un emploi. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps que l'Afrique se réveille et mette en place en fait des structures qui vont créer de l'emploi et permettre ce qu'on appelle la croissance inclusive. Oui, j'ai bien entendu, hein, mais en fait, aujourd'hui, l'information est disponible, mais n'appartient pas à l'Afrique. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est facile de créer un choc pétrolier sans guerre ni rien. Aujourd'hui, il est facile de faire chuter le cours du pétrole si les États-Unis et la France rappellent leur ambassadeur du Nigeria. Et donc, l'Afrique ne détenant pas l'information, n'étant pas dans un microcosme où les jeux sont à somme nulle, est-ce que tout le monde a la même intention à permettre à l'Afrique de prendre son envol? C'est ça l'essence de ma question. Mais justement, en fait, la part de la géopolitique dans la finance, c'est ça en fait. Je pense que c'est l'Afrique en fait qui doit prendre son destin, mais l'Afrique a les moyens, a la possibilité de réussir dans ce monde qu'on appelle la mondialisation. L'Afrique a les moyens. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que personne ne le fera à notre place. C'est à nous, les Africains, de pouvoir mettre en place des structures, des entreprises, des choses qui vont nous permettre de créer de la valeur en Afrique, de créer, de ne plus exporter nos matières premières, mais d'avoir des structures pour transformer ces matières premières. Moi, je pense que c'est la base, c'est la clé, mais ça dépend d'une volonté politique, encore une fois de plus. Tout ça, ça dépend d'une volonté politique. Si je vous disais que l'Afrique ne fixe pas le prix d'achat de ces matières premières, est-ce que ça situe un peu les niveaux de responsabilité sur le retard de l'Afrique, sur cette absence de volonté de mettre en place la transformation de nos matières premières? Moi, je suis dans le monde de la finance, donc tout ce que je vais vous dire par rapport au prix, c'est que les prix dépendent de l'offre et de la demande. C'est ça le marché. Dans un marché de concurrence pure et parfaite. Alors voilà. Que là, on n'est pas dans un marché de concurrence pure et parfaite. Mais encore une fois, en fait, le problème, c'est qu'en Afrique, il y a un problème. C'est que les multinationales qui sont en Afrique, en fait, lorsque ces entreprises négocient avec les États africains, elles arrivent avec
une armée de banquiers, d'analystes financiers, d'avocats, de géologues, de tout ce que vous voulez. Et malheureusement, en face, du côté de l'État, il n'y a pas les mêmes niveaux de compétences. Donc du coup, on se retrouve parfois avec des contrats où malheureusement, souvent, ce ne sont pas des contrats qui sont très très favorables pour nos États, pour nos économies africaines. Il faut à un certain moment équilibrer les échanges et avoir aussi en face des personnes qui sont capables de négocier pour le bien-être de l'Afrique, de négocier pour la jeunesse africaine, de négocier pour que l'Afrique se développe finalement. Très bien, Modou Ndiaye. En tout cas, merci d'être venu apporter votre lumière dans cette émission-là sur la place de l'Afrique à l'Afrique. Je rappelle le thème aujourd'hui, c'était la place de l'Afrique dans la chaîne des valeurs. Et on vous donne rendez-vous pour le deuxième épisode.